Allez, je vous parle d'une association qui voudra créer un petit peu partout, qui s'appelle Autour du Feu. Vous allez me dire Autour du Feu, bah oui, ça semble étrange, mais il va falloir pouvoir le mettre en place, parce que c'est une vocation écologique. On va dire comment on perd un feu, ça peut être écologique. Eh bien, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, vous voyez, par exemple, Autour du Feu, ça vous évoque quoi? Ça vous évoque ça, ça vous évoque ça, ça vous évoque ça. Pour beaucoup, ça évoque ça. Ou ça encore. Et en réalité, Autour du Feu, c'est une méthode qui a été créée par le prince d'Andorre, c'est une méthode traditionnelle française, pour l'écologie, qui réunit le soir pour des contes et légendes qu'il va raconter, et parfois même, ici c'était des lectures, plutôt des lectures bibliques, ou des interprétations bibliques qu'il faisait, prince d'Andorre étant nommé par l'archevêché, on va à ce moment-là avoir des repas qui vont être cuisinés sur un même feu. Mais là où vous imaginez par exemple 50 familles qui vont chez elles séparément allumer 50 feux, hein, il n'y en avait qu'un seul qui était allumé au milieu. Alors, ce ne sera pas forcément un feu, ça peut être une plaque électrique, ça peut être autre chose, mais l'idée de se réunir autour du feu, c'est de réduire le nombre de plaques électriques et de sources de chaleur dont on va manger pour passer plus de temps ensemble afin de réduire l'émission de carbone autour du feu et faire comprendre aux uns et aux autres que la sociabilisation, le fait de passer du temps avec les autres, le fait d'être avec les autres, de se raconter des histoires, ça réduit le nombre de feux qui s'allument et l'émission de carbone qui en découle. Et ça, c'est toute l'écologie de Handaï qui a été faite par le prince d'Andorre historique, hein, qui portait vraiment le titre de prince d'Andorre, hein, qui se crée autour du feu et la compréhension, je pense qu'elle est séculaire. On n'a pas beaucoup de bois à brûler, donc quand on fait un feu, on réunit tout le monde pour que tout le monde et toutes les familles puissent cuisiner sur le même feu. Hein? Donc préfère autour du feu dans la journée, pareil, avec un four solaire. Donc ça se fait beaucoup en Afrique en ce moment. On prend un seul et même four solaire, le soleil continue de taper, on cuisine toute la journée sur le même feu, hein, pour pouvoir être sûr que tout le monde puisse avoir quelque chose de cuisiné qu'on viendra le soir et qu'on fait la veillée et qu'on va tous manger ensemble. Comme il n'y a qu'un seul feu qui a été allumé, on a pollué beaucoup moins que s'il y en avait un par famille. Et donc, l'idée de créer l'association autour du feu, c'est se dire simplement, on va réduire l'émission de carbone en sociabilisant les gens. Et ça, c'est une manière de faire l'écologie que aucun politique n'a à l'esprit, parce qu'en général, il ne pense pas à l'être humain, il pense au pognon.